Québec, des enfants ont vécu une expérience hors du commun qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Eliane, je suis jalouse. Ils se sont envolés vers le pôle Nord. Ah oui, et même le Père Noël en personne est venu leur porter, Véronique, des cadeaux demandés par les enfants. Ils étaient une vingtaine parmi eux. Sept avaient gagné un concours radio. Pour les autres, bien, la plupart proviennent de milieux précaires. Donc, tôt ce matin, ils ont tous eu cette chance de s'envoler vers le pôle Nord. D'ailleurs, il s'agissait d'un premier vol pour plusieurs d'entre eux. C'est la troisième année consécutive que ça se passe ici à Québec. Et chaque année, c'est vraiment des moments magiques, autant pour les petits que les grands. On peut les entendre à l'instant. C'était exceptionnel. Ma fille, elle a gagné ça, puis elle était merveillée. Et c'était la première fois qu'on prenait l'avion, autant lui que moi. Ah ouais, okay. Fait que de voir là, qu'on prenait l'avion, puis là, il savait qu'on s'en allait au pôle Nord voir le Père Noël. C'était toute une aventure. Puis là, comment t'as trouvé ça, toi, ton vol? Puis on a vu Maman Noël. T'as vu Maman Noël. Toi, entre Père Noël et Maman Noël? Papa Noël, il est deux. Ah oui? C'est quel ton préféré? Maman Noël et Papa Noël! Donc voilà, le Père Noël est populaire, mais Maman Noël également, il ne faut pas l'oublier. Et il faut savoir que pour certains de ses enfants, bien, c'est comme vraiment un Noël à l'avance, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance de recevoir autant de cadeaux en la journée de Noël. Donc vraiment, ça fait toute la différence une journée comme aujourd'hui. On peut entendre un organisateur de l'événement. C'est un réel privilège pour nous au centre, surtout pour les enfants, de pouvoir vivre cette expérience-là. De notre côté, les enfants qu'on accompagne vivent en situation de grande vulnérabilité, donc en situation précaire. Donc, on n'a certainement pas cette occasion-là, un, de prendre l'avion, de venir à l'aéroport. Donc, encore plus, de les faire partir dans l'imaginaire, d'aller rencontrer le Père Noël au Nord. C'est extraordinaire. Ça leur fait un baume aussi dans le temps des fêtes, alors que ce sont des situations qui ne sont pas nécessairement faciles pour eux. Donc, parfois, ça leur permet d'oublier peut-être un peu leur quotidien. D'ailleurs, vu le succès de l'événement, l'initiative devrait être de retour l'an prochain à Québec. De mon côté, je reviens avec plus de témoignages plus tard sur nos ondes. Merci beaucoup, Eliane. À tantôt.